aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de rencontre. À mesure que la Chine s'internationalise, les étrangers sont de plus en plus nombreux à venir y passer un bout de leur vie, réalisant en quelque sorte leur rêve chinois et apportant leur contribution au développement de la Chine. Les 5 membres du groupe Fuleide sont justement de ceux-là. Nous allons aujourd'hui en apprendre un peu plus sur eux et partager avec vous leur histoire. Ils aiment la musique, ils aiment la Chine et ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour réaliser leur rêve de percer dans la musique. Et j'ai tout fait pour faire. En 2010, ces jeunes hommes venus de différents pays d'Europe et d'Amérique ont monté à Dalian leur propre boys band, le groupe Fuleide. Outre Frédéric, le chanteur, qui est à l'origine du groupe, il y a Aaron à la guitare, Hugo à la basse, Denis à la batterie et Matt au clavier. Il touche à différents styles, du rock au blues, en passant par le rap et le jazz. Leur répertoire compte aujourd'hui plus de 100 reprises et chansons originales. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau le chanteur et fondateur de Fuleide, Frédéric Dalian. Comment s'est passée cette rencontre entre vous et les autres membres de votre groupe qui viennent de différents pays? En fait, on est tous de pays étrangers et de pays différents. Mm-hmm. Et on s'est tous rencontrés à Dalian. Donc en fait, on est un groupe dalianais, mm-hmm. donc un groupe chinois. Mm-hmm. Et pourquoi on s'est tous rencontrés? C'est juste par hasard en fait, parce que j'ai commencé à jouer tout seul dans les bars. Mmh. Et puis d'abord il y a eu Lubo, le bassiste, qui m'a rejoint. Ensuite il y a eu Aaron, qui est un ami d'un ami, qui est le guitariste. Et ensuite il y a eu Denis, qui est aussi un ami d'un ami, qui est le batteur. Mmh. Et puis finalement il y a aussi Matt, qui est d'Angleterre, et qui est aussi un ami d'un ami. En fait on s'est tous rencontrés par hasard, et puis juste pour s'amuser et jouer dans les bars. Du fait d'origine distincte, y a-t-il des divergences ou des différences de point de vue dans la création de la musique? Ouais, il y a beaucoup de différences en fait. Et c'est même difficile de se mettre d'accord à chaque fois, surtout au niveau des créations, puis même au niveau de tout. Parce qu'il y a des différences culturelles. Et même si on est tous étrangers en fait d'un point de vue chinois, en fait on est complètement différents. Parce que on vient de Slovaquie, de Russie, des États-Unis, France et Angleterre. Ouais. Même si entre France et Angleterre, moi et Matt, le pianiste, on s'accorde un peu mieux parce qu'on est européen en fait. Mmh. Mais ensuite, entre Russes, États-Unis ou Slovaques, c'est plus différent. Mmh. En même temps, ça permet de créer beaucoup plus d'originalité. Mmh. Et on peut mélanger toutes les cultures, ce qui permet d'être créatif et d'être complémentaire aussi. Donc, au début de la fondation du groupe, avez-vous rencontré des difficultés? Ouais, il y a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Racontez-nous un peu. En fait, c'est à tous les niveaux, au niveau de la création, organisation, jouer où, comment faire. Je sais pas, même récemment, en fait, on veut faire des chorégraphies aussi pour changer un petit peu. Donc, on peut jouer et puis faire des chorégraphies. À chaque fois, on a des divergences d'opinion. Mm-hmm. En même temps, c'est donc il y a ça et en même temps, on est très complémentaires. Peut-être que moi, je n'ai pas pensé à quelque chose et puis un autre musicien va me donner l'idée ou va créer une chanson auquel je n'aurais vraiment pas pensé ou avoir une idée. Par exemple, il y avait le pianiste
qui avait pensé donc à étudier complètement la musique chinoise et de faire de la musique chinoise, alors que moi mon idée c'était de faire de la musique plus étrangère, plus française ou aussi américaine, de type américaine, que j'aime bien, ou enfin tout point de vue différent. En même temps on se rejoint aussi sur une même position qui est la musique. On est tous passionnés par la musique et en fait on a tous une langue commune, même si on est de pays différents, la langue commune c'est la musique. La culture chinoise joue un rôle dans la création de votre musique? En fait, la culture chinoise, c'est ce qui nous relie en même temps. On est tous, comme je disais, on est tous de Dalian. Donc c'est la culture chinoise, c'est le pays aussi, et puis la vie de Dalian. Et je vois que de nombreuses chansons de votre groupe sont en chinois, mais en tant qu'étranger, est-ce que c'est difficile d'interpréter des chansons chinoises? Chanter en chinois, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Ça a été très difficile à mettre en place parce que, d'une part, il fallait trouver les paroliers. Et puis ensuite, c'était tout un travail de mélanger la musique. Donc moi, j'écrivais la musique ou les musiciens écrivent la musique. Et ensuite, c'était de mettre les paroles dessus. On a eu quelques difficultés avec les paroles parce que, d'une part... Je dirais que la musique étrangère, c'est assez rapide, et ou même au niveau du rap, etc. Et c'est assez saccadé et très, très rapide de temps en temps, ce qui ne correspond pas au style de musique chinoise, parce qu'il faut articuler et puis que les gens comprennent. Bon, déjà que je suis un étranger, donc quand je chante, c'est peut-être pas très clair. Et si jamais je me mets à chanter très rapidement, par exemple, on a une chanson qui s'appelle Chang Jiemao, et puis aussi d'autres chansons de l'album où les Chinois vont peut-être pas tout comprendre tous les mots et le sens, donc ils ont besoin de voir les paroles. Il y a eu aussi un travail au niveau de la mélodie, parce que je dirais que la musique chinoise, en fait, elle est beaucoup plus axée sur la mélodie, avec une... je sais pas, par exemple, les couplets qui vont commencer assez bas, et puis ensuite, au niveau du refrain, ça monte très très haut. Et donc ça, c'était aussi un challenge pour moi, en tant que chanteur français, parce qu'en fait quand on chante en français ça peut s'apparenter aussi à la langue française qui est assez plate et comme ça blablabla bla, bla, bla. Alors que la langue chinoise ça va être fait d'accent, et donc il faut monter très très haut et ça j'ai pas l'habitude. Il y avait aussi au niveau du chant, en français c'est pareil, on va peut-être chanter plus avec une voix cassée, alors qu'en chinois ce qu'ils recherchent plus ça va être une voix plus limpide, claire, qui peut aller très haut et comment dire, plus agréable à écouter. Donc il y avait ça aussi, ça a été beaucoup de travail. Oui, aussi au niveau de la structure. Typiquement au niveau de la structure, les chansons françaises vont être couplet, couplet, refrain, et puis ensuite couplet, refrain, refrain. Et les chansons chinoises vont plutôt être avec certainement une longue intro, une longue introduction, et puis ensuite ils vont répéter tout un passage en fait. Donc ça va revenir au niveau de... En dépit de ces différences ou de ces problèmes, qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre cette voie? En fait, c'était un challenge. Et puis aussi, c'était un projet que je voulais faire depuis longtemps et je voulais m'accrocher et le terminer. Ça a pris beaucoup de temps, puisqu'on a commencé à enregistrer il y a à peu près un an. Donc en fait, la création, ça n'a pas pris énormément de temps. On a créé les chansons, on a mis... Moi, j'ai mis un mois et demi à écrire 8 chansons. Et les musiciens ont également écrit 8 chansons. Et ensuite, c'était tout un travail au niveau des paroles, essayer de tout... En fait, de tout coller, parce qu'on a plein de différences de culture, etc. Il faut tout mettre tout ensemble. C'est comme un puzzle, en fait. Et tout ça, ça prend du temps. Et depuis que vous avez chanté une chanson, à force de t'aimer, c'est Yi Wei Ai Qing, l'édition chinoise, mais vous avez chanté l'édition française, vous êtes de plus en plus connu par des téléspectateurs chinois. Pourquoi avez-vous décidé de reprendre cette chanson? En fait, j'ai un projet d'écrire un album et de reprendre les plus belles chansons chinoises. Par exemple, je voulais reprendre Quai Zhe Xiong Di, ou Qinggeng Wulai, ou In Wei Ai Qing. Et j'aimerais bien faire un album en fait de à peu près une dizaine de chansons, que de reprises de chansons chinoises. Parce que je trouve que les chansons chinoises sont très jolies, très mélodieuses, etc. Et elles s'exportent partout. Pas vraiment en fait, contrairement par exemple, je sais pas, aux chansons américaines, où là c'est une grosse machine à exportation en fait. Et donc il y avait ça, et puis aussi l'idée de mélanger les cultures, comme en fait je fais des compositions en chinois, et là donc avec cette chanson là c'était
une reprise d'une chanson très connue chinoise. Donc pourriez-vous nous chanter un peu cette chanson? Ouais, sur place. On s'est quitté, cela fait 2 ans. Je continue de pleurer souvent. Savoir avec qui tu es, ne plus vouloir penser. À force de t'aimer, j'ai perdu mon bonheur. Comme si la distance, le temps manquait à mon cœur. À force de t'aimer, mélange de rancœur. N'avoir pas pu saisir ma chance à temps. À force de t'aimer. Fred s'est fait connaître grâce à des chansons rock, mais le groupe interprète des chansons au style bien différent. De même, les paroles des chansons sont en plusieurs langues, chinois, anglais ou français. Les chansons en chinois notamment, qu'elles soient des reprises ou des créations originales, sont très appréciées de la part des fans. Sur la toile, la chanson originale du groupe « J'ai toi » et la reprise « À force de t'aimer » ont déjà été visionnées plus d'un million de fois. Avez-vous déjà collaboré avec des musiciens chinois? Oui, beaucoup en fait. Mmh. Avec qui? Je collabore avec des. Je travaille beaucoup avec des musiciens, aussi avec des paroliers, mmh, et des artistes, des gens aussi qui sont dans le milieu de la musique. Mmh. Des musiciens, beaucoup à Dalian. On est avec des. De temps en temps, on joue avec d'autres groupes. Mmh. J'ai aussi joué avec 4-5 groupes, mmh, à Dalian. En fait, la particularité de notre groupe, c'est qu'on est tous étrangers. Mmh. Mais j'ai joué aussi avec plusieurs groupes locaux. Un groupe de métal, un groupe de blues, un groupe de jazz. Mmh. Et puis aussi beaucoup, en fait, juste pour s'amuser dans les bars. Mmh. Et puis aussi, je travaille beaucoup avec des paroliers. Donc, par exemple, les paroliers, c'est en fait l'album qu'on a fait, donc Quoi et le Tien Tang. Mmh. J'ai écrit les paroles de 3 chansons, mmh, et tout le reste des chansons, c'est des paroliers, mmh, de Dalian et de Pékin. Donc la culture différente est-elle un frein pour la coopération? Dans un temps, la langue, mmh, c'est un frein parce qu'on ne se comprend pas trop, mon chinois n'est, mmh, pas encore très très bon. Mmh. Mais non, c'est pas du tout un frein sinon. Et puis encore une fois, en fait, on a la langue commune, c'est la musique. Mmh. Que pensez-vous de la pop chinoise? J'aime beaucoup la pop chinoise. Voilà, par exemple, J'aime beaucoup Zhang Zhenyue, mmh, ou alors Wang Feng. C'est plutôt rock? Ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup le rock chinois. Mmh. Et puis aussi Beyond, mmh, un groupe plus ancien de Hong Kong. Mmh. Et j'aime aussi toute la musique underground de Chine. Mm. J'aime beaucoup aussi Ha Go Bang. Mm. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées. On parle de votre premier voyage en Chine. Quelle a été votre impression de la Chine? Mon premier voyage en Chine, c'était en 2005. Je suis allé à Tianjin. Mm-hmm.
Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. C'était super. Enfin, c'était super en fait. On s'est beaucoup amusé. C'était pour un stage d'échange. J'ai que des bons souvenirs. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir. Et après, je suis revenu à Dalian plus tard. Et votre slogan, c'est amour de la Chine, amour de Dalian et amour de la musique, c'est ça? Inyue Ai Oui, Zhongguo, Ainyu Ai Ai Zhongguo, Dalian. Ai Dalian. Donc pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Dalian? En fait, j'ai choisi de m'installer à Dalian parce que quand je suis revenu en échange avec mon université de Nice, SCEMA. Donc j'avais le choix entre Chengdu, Hong Kong ou Dalian. Et j'ai préféré aller à Chengdu ou Dalian pour être plus dans la culture vraiment chinoise, en fait, ce que j'aime le mieux. Et puis j'ai entendu dire que Dalian c'était super sympa, donc moi j'y suis. C'est pour ça que je suis allé à Dalian. C'était vrai, c'était super sympa. C'est tout à fait par hasard, c'est pas. Bah en fait, c'est par hasard, et puis moi j'aime bien me laisser guider en fait. J'ai pas de ligne. Je veux pas par exemple vraiment aller ici. Si j'ai une opportunité d'aller à cet endroit-là, au moment en fait, j'y vais, je me pose pas trop de questions, et puis à chaque fois, c'est sympa, ça va. Vous comptez rester là? Ouais, parce que maintenant en fait, je me sens dalianais, j'ai tous mes copains là-bas et toutes mes relations, etc. J'aime beaucoup aussi Pékin, parce que là on est à Pékin. Et non, d'aller, enfin, à chaque fois en fait, on voyage beaucoup aussi, parce qu'on commence à tourner en Chine, et ce qui nous permet de découvrir la Chine en même temps, les différentes villes. Et là, ça fait 2 jours qu'on est à Pékin, on va encore y rester 3 jours. Et non, c'est super. Puis le temps, il est magnifique. Donc, est-ce que vous aimez la culture chinoise? Oui, j'aime beaucoup la culture chinoise. J'aime beaucoup le relationnel entre les gens. Et puis, je trouve que les Chinois sont très accueillants, très sympathiques. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup la Chine. La cuisine chinoise, l'amitié aussi. Enfin, j'aime bien aussi la Chine traditionnelle qui a des fortes valeurs. Et vous étudiez votre chinois où? En fait, j'étudie le chinois avec les chansons. Avec des chansons. Voilà. Parce En que Chine. parce que j'ai pas trop le temps d'étudier, donc en fait j'étudie juste une nouvelle chanson à apprendre, et j'étudie la chanson, j'étudie le sens de la chanson, les mots, les caractères, la prononciation, et c'est comme ça que. Et quand vous étiez en France, vous pratiquez aussi la musique? Ouais, ça a toujours été une passion, et j'ai commencé quand j'avais 12 ans à faire de la guitare, et j'ai commencé à écrire quand j'avais 13-14 ans. Et je crois que j'ai commencé un premier concert en guitare acoustique à 12 ans et ensuite dans les bars à 15 ans. En 2009, Fred sort de sa Provence, surnommée le pays de la lavande, et s'installe à Dalian. En 2010, par hasard, Fred prend part à une émission de télé de recherche de talent, Boulevard des Stars, sorte d'équivalent chinois de Star Academy. Et voilà que le chanteur français au chinois imparfait se lance à l'attaque d'une chanson de Jay Chou, accompagnée de sa guitare et agrémentant sa prestation de mouvement de kung-fu. Il réalise là un savant mélange de romantisme français et d'enthousiasme chinois. Il invite même sur scène les autres membres du groupe pour au final laisser une impression très nette au public. Cette émission aura également permis aux membres du groupe d'être connus à Dalian, où ils comptent de nombreux fans. En 2010, vous avez participé à une émission des talents musicaux, 54, c'est le Boulevard des Stars. Vous avez terminé en troisième. Donc, en tant qu'étranger, vous avez senti la pression? Il y avait beaucoup de pression pour préparer, parce qu'en fait c'est une compétition qui se fait en 4 étapes, et chaque étape élimine une personne. Et donc il fallait préparer 4 projets à préparer, et ça a pris beaucoup de temps. Il y avait aussi beaucoup de pression parce que je ne me sens pas très à l'aise en fait quand je suis devant les caméras. Donc voilà, c'était de là que venait la pression.
Mais le résultat est très bien. Vous avez terminé en troisième. Ouais. Bah, le résultat, en fait, c'était juste. On s'est bien amusé aussi. Mm-hmm. C'était le principal. Et c'est aussi une occasion pour rencontrer d'autres musiciens chinois. Ben, en fait, non, j'ai juste rencontré une chanteuse. Mm-hmm. Mais en fait, il n'y a pas vraiment. C'était plus. On était juste. C'était ambiance travail, en fait. On n'a mm-hmm. pas vraiment eu le temps de. Je suis toujours en contact avec eux. Mm-hmm. Mais c'était pas comme, par exemple, quand on va jouer dans des bars ou dans des festivals. Mm-hmm. Où là, on a plus le temps de discuter. Mm-hmm. Et de se rencontrer. Puis il y a aussi. Comme c'est la télé, il y a plus de pression. Et. Non, c'était plus en ambiance studieuse. Mais grâce à cette occasion, vous êtes de plus en plus de téléspectateurs connaissent le groupe Fleder. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous reconnaisse dans la rue ou c'est Fleder ou bien? Bah, à Dalian, en fait, moi j'ai des amis à Dalian, donc à chaque fois quand je me promène, mm-hmm. je rencontre des amis. Mm-hmm. Et puis, non, je pense pas vraiment. À Pékin, il y a personne qui est venu me voir et fait hey, Flayde. Et donc, maintenant, vous avez de plus en plus d'invitations dans des émissions de télé ou des. Comme ça. Là, en fait, on commence à faire la promotion du nouvel album. Mm-hmm. Donc, c'est votre premier album? Ouais, en fait j'ai fait 3 EP, c'est mmh. en fait des petits albums en fait, de 3, 4 ou 5 chansons. Mmh. Et là c'est la première fois qu'on fait un véritable album où il y aura 12 chansons. Mmh. Donc là on cherche vraiment à faire de la promotion en fait, donc plus des télé, radio et magazines. Site internet. Mmh. Et racontez un peu sur votre premier album. Mmh. Bah, le premier album, c'est 12 chansons, 2 chansons en français, mmh. dont In the Hiding, à force mmh. de t'aimer. L'autre chanson en français s'appelle T'étais pas. Mmh. Et toutes les autres, c'est des chansons chinoises, de styles différents, même si on s'est adapté aussi un peu à la musique chinoise. Mmh. Et c'est toujours été dans l'esprit sympa et. Mmh. amical et juste donc à faire des chansons mmh. pour le plaisir. Pour et d'où musique. Vient votre inspiration? D'où vient mon inspiration? Ça dépend des chansons. Mmh. Ça dépend aussi de ce que je veux faire et ça dépend du moment. Mmh. Par exemple, en fait c'est vraiment bizarre, moi j'aime bien composer, je vais me réveiller le matin et je vais composer. En fait c'est assez étrange. Le matin et le soir j'aime beaucoup. Mmh. Il y a une chanson qui s'appelle Shin Shise. Mmh. Qui en fait c'est du dalianais mmh. et en fait c'est juste là on était entre amis, on revenait de concert et souvent j'ai une mélodie dans la tête et je commence à la jouer à la guitare mmh. et ensuite j'essaye de coller des paroles dessus mmh. et après j'enregistre en fait juste sur mon téléphone etc et quand vient le moment de créer la chanson j'essaie de prendre plusieurs morceaux que j'ai créés, de les mettre tous ensemble pour essayer de coller tout ça mmh. Et à la fin, donc, j'ai une structure. Mmh. Donc généralement, c'est couplet, un pont et un refrain. Mmh. Une fois que tout ça c'est fait, on se réunit en fait. On essaie de rajouter la basse, mmh. La batterie. J'ai aussi des idées en fait. Généralement, mmh. je pense à tous les instruments. Mmh. Et puis les musiciens qui sont professionnels, ils composent tout autour. Mmh. Et une fois qu'on a donc toute la structure, la mélodie et toute la chanson qui est prête, dans ce cas-là, soit donc pour cette chanson, j'ai écrit moi-même les paroles en chinois et un peu en dalianais, ou sinon... C'est en chinois la parole? Ouais. Ok. Ou sinon, j'appelle un de mes amis aussi pour écrire les paroles. Mmh. Mais c'est, la parole, c'est en chinois, mais le style est occidental, c'est ça? Ouais, le style est occidental. Mmh. Moi, les compositions que j'ai faites, c'est plus occidental. Le pianiste a plutôt fait des compositions chinoises. Mmh. Il a étudié, en fait, au niveau du rythme, mmh. de la mélodie, de la gamme chinoise, en fait, pour que ça sonne plus chinois. Par exemple, la Shangxia, mmh. Mishe, c'est des chansons... plus tourné autour de la mélodie, des mélodies chinoises, gamme chinoise. Il y a le guitariste qui a écrit Jie Tuo, Bei Bake. En fait, il a plus essayé de correspondre au style, mélangeant en fait sa culture américaine et le style chinois. Mm-hmm. Donc, il a essayé un peu d'adoucir la chanson. Et puis, enfin voilà, c'est tout un mélange. Et,
On va voir si ça marche. Donc, organiser son propre concert est un rêve presque pour tous les chanteurs. Donc, est-ce que c'est votre rêve aussi? Ouais, en fait, moi, mon rêve, c'était surtout m'amuser et puis composer en chinois et avoir un album en chinois. Et vraiment, sans être trop arrogant, j'aimerais bien contribuer aussi à la musique chinoise dans le futur. Là, le niveau est assez bas, mais j'espère progresser et peut-être avoir travailler avec d'autres musiciens chinois et puis peut-être arriver à faire de nouvelles compositions et que les gens apprécient notre musique. Où aimeriez-vous organiser votre concert? Dans quelle ville? En fait, dès que l'album est fait, là, on est en train de faire la couverture de l'album. Donc tout est enregistré. Ça devrait être fini d'ici 2 semaines à peu près. Et j'aimerais bien organiser une tournée dans les festivals et toutes les villes de Chine pour, voilà, pour dans le même état d'esprit, pour promouvoir la musique et rencontrer des gens. Donc c'est ce que vous faites maintenant et je voudrais savoir votre rêve chinois. Mon rêve chinois, j'aimerais juste continuer à vivre en Chine et continuer à vivre de la musique, avoir des amis et voilà. Et vivre à Dalian ou à Pékin aussi. Ok, merci. Notre émission merci. Touche à sa fin. Merci Frédéric d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous souhaitons une bonne continuation en Chine. Merci. Et réalisez votre rêve le plus tôt possible. Merci. Et chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Yeah. 现在的我却会想解脱，爱情到了尽头。